Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va tester ensemble un drone qui fait beaucoup parler de lui, surtout chez ceux qui débutent ou cherchent un bon rapport qualité-prix. Je parle bien sûr du Ruco F11 Pro 2. Dans cette vidéo, on va regarder en détail ses performances, les points forts, mais aussi ses points faibles pour savoir s'il vaut vraiment le coup. Installez-vous confortablement et c'est parti. Mais avant de commencer, si vous appréciez les reviews ou ces contenus geeks, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être avisé des prochaines vidéos. Le Ruco F11 Pro 2 est un drone compact pliable de seulement 357 grammes, ultra pratique à transporter. On sent tout de suite qu'il cible les débutants comme les utilisateurs intermédiaires grâce à sa facilité d'utilisation et à ses fonctionnalités intelligentes. Il embarque une caméra 6K montée sur un cardan à 3 axes, ce qui est rare dans cette gamme de prix et promet une excellente stabilité pour la vidéo. Alors, parlons clairement des avantages. Premièrement, la qualité d'image. Le capteur Sony du F11 Pro 2 offre des images nettes en 6K avec de belles couleurs naturelles, idéal pour du contenu vidéo amateur ou semi-pro. Deuxièmement, la stabilité du drone est impressionnante grâce au cardan brush à 3 axes. Même avec du vent modéré, les images restent bien stables. Autonomie. Le fabricant annonce jusqu'à 35 minutes par batterie. En réalité, avec des conditions normales, vous tournerez autour de 28 à 30 minutes, ce qui reste excellent. Portée. On a testé le drone à plus de 1 km, la transmission est restée stable, pas de coupure gênante, et le retour vidéo est très fluide. Un vrai plus pour explorer sans stress. Le système GPS et GLONASS combiné assure un positionnement précis, parfait pour le vol automatique ou le retour à la maison. Mais attention, tout n'est pas parfait non plus. Voici quelques défauts qu'on a remarqués. La résolution vidéo maximale, 4K à 30 fps sur la carte SD, est excellente sur papier, mais manque parfois de finesse dans les détails, surtout en basse luminosité. Le zoom numérique 5X est pratique, mais franchement, la qualité se dégrade assez vite, on le réservera à des usages très ponctuels. L'application mobile est fonctionnelle, mais manque un peu d'ergonomie et de réactivité sur certains smartphones Android, ce qui peut être frustrant. Enfin, le drone est relativement léger, ce qui est bien pour la portabilité, mais il perd en stabilité lorsqu'il y a beaucoup de vent fort, supérieur au niveau 5. En résumé, je pense que ce drone est idéal pour les débutants ambitieux ou les amateurs qui cherchent à faire de belles vidéos sans investir dans un drone professionnel trop coûteux. Par contre, si vous cherchez de la vidéo professionnelle ultra détaillée, vous pourriez être légèrement déçu. Alors, est-ce que je recommande le Ruco F11 Pro 2 ? Clairement, oui. C'est un drone complet avec un excellent rapport qualité-prix. Il n'est pas parfait, mais ses points forts compensent largement ses faiblesses. Si vous débutez dans le monde des drones ou cherchez une solution efficace et économique pour filmer vos aventures, foncez sans hésiter. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus de détails, laissez un commentaire juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu geek et de reviews, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur GeekTech.